Télékiskaya Digital Club 65 à l'heure de la 11e journée du championnat d'Espagne de football. Barcelone gagnait plusieurs joueurs à l'infirmerie, un Pilmoun qui blessait. C'est le cas par exemple de Sergi Roberto, de Arda Turan, de André Gomes, Rafinha. Tous ces joueurs sont à l'infirmerie. C'est quand même un coup dur pour le Barça. De Barça aujourd'hui qui joue avec Ter Stegen dans les buts, Piqué et Samuel Umtiti, Alaba et Semedo, Busquets, Rakitic, Andrés Iniesta, Paco Alcácer, Luis Suarez et Lionel Andrés Messi. C'est dans un sac équipe FC Barcelona lui-même l'y a joué. Équipe Séville gagne en bagol en Soria en terrain, alors en défense Lenglet et puis Jair. Il a gagné Corquia, lui-même qui est à droite, Escudero à gauche, Enzonzi, Banega, Pizarro, Muriel, Navas, Ak, Sarabia, et puis l'arbitre central, c'est bien monsieur José Luis González, Jorge Sampaoli. Oui, c'est sous les yeux de l'entraîneur argentin que ce match va se dérouler. C'est parti, c'est dans le Camp Nou que nous y est, côté équipe. FC Barcelone à recevoir FC Séville. Déjà, au ballon récupéré par les Catalans. Passe l'en fait. Et c'est Gérard Piqué qui gagne. Il mettait avec Samuel Umtiti. Umtiti, international français. Alors, notez que en Espagne, et Atlético Madrid gagne un goal à zéro équipe Deportivo La Coruña. Un goal que Thomas Partey, monsieur inscrit. Non, arrêt de jeu, vraiment, non, 90e, plus 1 minute additionnelle que des bailants. C'est là ça que M. Fegol, la première minute, arrêt de jeu, match football, Barça, FC Séville. À noter, en Angleterre, la large victoire de Liverpool, 4-1 face à West Ham, un doublé de Mohamed Salah, un goal de Matip, un goal également de Oxlade Chamberlain. Il s'appelle Semedo, portugais, a essayé de prendre ligne là, mais l'Ipari dépassé, puisque défenseur sévillant a bien suivi lui. En Angleterre toujours, Bournemouth gagne Newcastle, 1 goal à 0. Burnley gagne Southampton, 1 goal à 0. Bridgestone gagne Swansea, 1 goal à 0. Huddersfield gagne West Bromwich Albion, 1-0. Match nul entre Stoke City et équipe Leicester City. En Ligue 1, c'est 12e journée. Paris Saint-Germain crase équipe Angers, 5 goals à 0, malgré l'absence de Neymar. Barça à l'attaque, un ballon pour Messi, mais il y a faute. Faute, on dépend de Luis Suarez. Monaco a mené 3-0 sous Guingamp. Carillon, Traoré et puis Baldé. Vraiment, salutations à Moussignac qui a fait manœuvre technique. Un coup franc de loin pour les Catalans. Un coup franc de loin pour l'équipe FC Barcelone. Nous allons voir vraiment qui ça s'abaille. Alors, Messi a joué 600e match li. Après Xavi qui fait, on frappe au coup franc de Messi qui jouait dans Murlan. Xavi qui lui-même jouait 767 matchs pour Barça. Iniesta 642. Là, Cunha, Messi lui-même, Livini là, troisième monde qui atteindre 600 matchs avec l'équipe Barça. Dans 600 matchs, Messi connaît, Messi en accélération, Messi on frappe. Ballon qui allait en corner. 600e match pour Messi. Avec 425 victoires, 69 défaites. Monsieur fait 623 goals. Et il baille 197 passes décisives. On Messi record tout carrément. Séville qui a joué en 4-3-3 avec Soria en bagol. Soria préféré aujourd'hui à Rico. Messi, on passe. Sergio Busquets, Paris fait gol. Séville
à contre-attaquer. Bon contrôle du joueur sévillan. Barça, Gabriel Changel, oui, c'est ce qu'il fait. Bien joué, bien vu, surtout. Ballon dégagé. Équipe catalane en bonne récupération avec Luis Suarez qui met elle pour Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, Paco Alcacer aujourd'hui titulaire. Équipe Séville qui connaît 3 défaites. Séville qui était sous 3 victoires. Youn Kolé à Clot, toute compétition confondue. Voilà, c'est comme ça, match là lui-même. L'IAP déroulé. Seulement la 4e minute dans cette rencontre. Équipe Séville, on passe qui fait un retrait. Arsenal fait un retrait, on attaque. Jordi Alba à la récupération, passe pour Samuel Umtiti qui a dormi avec ballon. Bien joué, Umtiti qui bralait en longue jambe. La passe, mais pas, c'est pas bon. À quoi le Cassel? Pas arrivé jouer ballon. Hein. Nous allons être transversal à l'Orient. Pour. Allez, mais Luis Suarez, monsieur. Luis Suarez, définitivement, qui n'est pas dans le coup. On revoit ce contrôle magnifique de Messi. On attaque avec l'équipe Séville. Oui, on passe dans la défense là, mais Dachagen. Bon contrôle de Allemand, Eli Mettel, loin devant, pour qui la tête de Jair. Et également Corquia, qui lui-même a joué comme latéral droit de Séville, a joué match correctement. Il a joué match correctement, merci. Voilà, ballon avec équipe catalane, en milieu de terrain, Ivan Rakitic. Ivan, il fait passer dans le dos pour Semedo. Semedo qui gagne. Ballon va sortir. Il bat Ivan ni. Ivan pour Messi le contrôle. Et puis la frappe. La frappe. Trop enlevée de Messi. La frappe. Trop enlevée de Messi. Ballon de Nelson Semedo. Bon contrôle. Et puis. Messi mette frappe blanc. Allez, 3 euros. Équipe Séville avec Escudero qui dégageait loin devant. Intervention de Semedo. Samuel Umtiti récupéré ballon. Samuel Melbedul. Et là, Séville, ils font mauvais passe. Ils mettent pour Luis Suarez son bon contrôle. Est-ce que c'est pas quoi le Cassel de préférence en décevant de l'opération? Non, c'est Luis Suarez qui gagne. Passe l'encontré. Passe l'encontré. Et puis, on amortit et on frappe. On frappe de Ivan Rakitic. On frappe de Ivan Rakitic. Qui n'a pas passé trop loin. On frappe du gauche. Monsieur Rabat ballon. Hein. Voilà. On a regardé encore vraiment. Action dans l'heure. Hein. Bon contrôle de Messi. Et puis, il fait passe là pour Sergio Busquets. Qui Patrick et mette ballon en un goal. C'est une entrée de touche effectuée rapidement par Gérard Piquet. Ter Stegen fait avec Samuel Umtiti. Samuel au contrôle du ballon. Il remet à son partenaire de la défense, Gérard Piquet, qui joue en profondeur pour Messi. Déviation réussie, Messi. Oui, quelle ouverture en direction de Jordi Alba. Le contrôle, le centre de Jordi contré. La balle, elle tourne dans la soirée d'opération, la frappe. Il y a un jeu, Paco Alcacer, aujourd'hui titulaire. La titularisation de Paco Alcacer, c'est quand même un bagaille étonnant. Sur le banc, pour le Barça, il y a Paulinho, Silicen, Lucas Digne, Thomas Vermaelen, Mascherano, De Lofeu et Denis Suarez. Le long dégagement de Corquia. Voilà, équipe Séville, mais un bon retour de Jordi Alba. Ballon avec Ter Stegen, Kessler Bailly. Tachegen met-elle loin devant pour personne. Et puis Nzonzi au milieu, l'international français. Ballon en, on ballon contrôlé, mais en mauvais contrôle. Mauvais contrôle de Paco Alcacer. Paco Alcacer qui fait mauvais contrôle ça. Séville, non, bande défensive.
avec Nzonzi qui vient chercher ballon comme à la manière de Sergio Busquets. Passe en fait avec Jair qui gagne. Il mettait la droite, c'est pour Kokia. Kokia passe en retrait. Yo a combiné équipe Sevillane. Nous, Jean Barcelone a déplacé pour Gabab empêcher Sevillan yo. Sorti avec ballon proprement le long dégagement du portier Sevillan. L'amorti de la poitrine. Ballon récupéré avec Sergio Busquets. Samuel Umtiti en retrait pour Gérard Piqué qui joue latéralement sur Nelson Semedo. Semedo, il a fait l'inland. Nelson Semedo, dérive de conservation du portugais. La passe pour Gérard Piqué. Gérard Piqué conservé. Il mettait avec Samuel Umtiti. Le Barça qui combine dans la moitié terrain de l'équipe de Séville. À gauche maintenant, Jordi Alba pour Andrés Iniesta de retour. Andrés Iniesta, il conserve, il fait le bon Messi. Messi gagne, Messi au milieu de trois joueurs sévillans. Est-ce qu'il y a une faute sous lui? Oui, il y a une faute au dépend de Lionel Messi. Et c'est un coup franc pour les Catalans. Oui, coup franc pour l'équipe catalane. Après faute ça, que joueur sévillan lui-même. L'IFES ou Argentin nous a parlé de Lionel Andrés Messi. Le Real joue demain à la même heure, 3h45, face à Las Palmas. Ballon à poudre avec Sergio Busquets. Sergio, il gagne, il conserve, il bral mettel avec qui? Il fait avec Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, la passe pour Andrés Iniesta. Ballon à contrôler. Yo gen sous côté droite là, yo mettel nan axe goal là pour Muriel. Gen Muriel et Navas, déviation réussie de Sarabia. Yo mettel maintenant avec Escudero, li va mettel avec Nzonzi en retrait pour Jair. Jair Nzonzi maintenant, la passe pour Escudero. Escudero, li fait passe là, le ballon en intervention catalane. Catalan va s'est sorti mais encore un mauvais contrôle de Paco Alcácer. Alors, il est même pas véritablement en place lui et je mettais la brosse sur les côtés et nous connaissons que c'est un attaquant gaulier, il n'y a pas une qualité vraiment pour être dehors. La passe pour Messi, Messi conserve, il fait six passes là, Ivan Rakitic, Paco Alcácer, Nelson Semedo avec Gérard Piqué maintenant. Gérard conserve, Gérard Piqué, petite passe pour Samuel Umtiti. À gauche, il y a Jordi Alba qui est disponible, mais il préfère rejouer sur son compère Gérard Piqué. Gérard avec Sergio, Sergio Busquets conserve, Sergio, la bonne passe pour Nelson Semedo, possibilité de centre, Nelson Semedo, Nelson, bon contrôle, et Bulfel, pour qui? Pour Paco Alcácer, on frappe qui contrait de Paco Alcácer, Sergio Busquets fait faute à Bitlan. Faute de Sergio Busquets et Verbanega. Oui, l'Argentin qui bel et bien présent pour équipe ça. La passe équipe Séville. Ballon contre avec Verbanega, l'ouverture en direction de Corquia. Pointe des doigts, passe en profondeur. Un bon tacle de Gérard Piqué, Samuel Umtiti avec un ballon pour Nelson Semedo maintenant. Qui est-ce qui l'ouvrit? Personne. Nelson Semedo. Qui peut jouer dans l'axe, c'est ce qu'il fait pour Messi. Le contrôle, Messi qui rivait lui-même à passer. Argentin conserve, la passe pour Andrés Iniesta. Le beau retour de l'Espagnol, Iniesta, il fait l'avec. Et Sor Suarez, Messi maintenant pour le Barça. Petite passe, il y arrive Joël. Mais bon joueur, Messi conserve. Messi, Messi, il gagne. Messi, il va chercher Moun. Messi fait passe pour Nelson Semedo. Nelson pour Ivan Rakitic. Ivan pour Nelson. Nelson Semedo pour qui? Pour Gérard Piqué, Samuel Umtiti maintenant. Barça qui est obligé de retourner avec ballon. Puisque c'est Villan, yo même, yo a bien défendre. La passe pour Jordi Alba côté gauche. Jordi Alba pour Luis Suarez, déviation en direction de Paco Alcácer. Mais passe n'a pas de bon. Un ballon dégagé avec Soria, aujourd'hui titulaire à la place de Rico. Le Barça est vraiment. Gain, on maîtrise de ça que l'a fait. On ballon volé pour équipe Séville. Pour le goal peut-être. On frappe. Quelle frappe vraiment de Muriel. Après un ballon perdu par Samuel Umtiti à la vérité. Ballon de Gwenamel. Umtiti a réclamé faute. Allons frappe monsieur.
Monsieur qui pas arrivé cadré ballon, c'était quand même une grosse occasion pour eux. Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Gérard Piquet, Jordi Alba, c'est eux-mêmes qui constituaient charnière défensive en ouverture, mais beaucoup trop de Ever Banega, Limetel Gounia, et puis Muriel, en centre qui contrait Ever Banega au marquage. Gérard Piquet, le contrôle d'Andreas Iniesta, la passe pour Ivan Rakitic, Ivan Liefel pour Messi, Messi va mettre le devant, c'est ce qu'il fait, et puis là, on va le contrôler de Paco Alcacer, Ivan Rakitic maintenant, Ivan, la passe entre les jambes du joueur sévillant, Messi, il va faire ouverture là, non le fait le bon Andreas Iniesta, attaque barcelonaise, Luis Suarez, Grieco, Luis Suarez pour Messi, le contrôle, mais Messi qui perd du ballon, hein. On tac qui fait, Nelson Semedo au marquage, mais arbitre là-bas est faute. Arbitre là-bas est faute pour équipe Séville. Non, c'est Bralon Gouffre, le ballon qui exécute rapidement. Séville qui a joué match football league, le contrôle, la passe. Bien faute. 15e minute. 15e minute dans match football. Le premier quart d'heure de la partie, toujours 0 but partout entre Catalan et Sévillan. Gérard Piqué mettait avec Umtiti. Match qui comptait pour 11e journée. Championnat d'Espagne de football. Samuel Ivan en profondeur, le contrôle de Paco Alcacer, Liefel nettement en retrait sous Ter Stegen. Samuel Umtiti maintenant. Umtiti cap avancé. Ligue ballon, Ligue conservelle, Ligue Metel avec Sergio Busquets. Là, c'est Gérard Piqué qui est les Espagnols qui combinent entre eux. Et Sergio Busquets et Gérard Piqué, beaucoup drôle. Sergio Busquets, Gérard Piqué maintenant. La passe pour Andrés Iniesta. Iniesta, conservelle. Liefel avec Luis Suarez, Iniesta qui vient ballon, on passe dans le défense là, on ballon dégagé, contrôle raté de Nzonzi, Sergio Busquets, c'est bon Nelson, c'est Medo, Nelson, Liefel passe là, bien joué Nelson pour Paco Alcacer, on tacle, et puis on talonnade, bien joué, mais il était trop court, quel contrôle de Ever Banega, et puis passe là pour Banega. Mais après, bon contrôle ça, on comprend que vous devez faire une action 10 sur 10, mais passe là, pas marché. Mais le contrôle, c'est un contrôle dévastateur de Ever Banega pour être capable de mettre dans le vent Sergio Busquets, Jordi Alba, Samuel Umtiti, talent, auteur d'une erreur monumentale, une erreur qui était capable de coûter cher à l'équipe catalane. Jordi Alba, Liefel avec qui? Avec Messi, Messi conserve la passe de Messi pour Luis Suarez. Bien joué Luis, bien joué. Ben, Luis Suarez, monsieur. Oh, il fait vraiment mauvais route là. Mauvais route là. Mauvais choix de Luis Suarez. On touche pour l'équipe catalane. Touche rapide. Nelson Semedo en retrait pour Sergio Busquets. Gérard Piqué maintenant dans l'axe. Gagnant des signes de Raphaël pour Samuel Umtiti qui est libre pour Sergio Busquets. Pas de capable de faire déjà. Liefel avec Andrés Iniesta. Séville à défendre. On frappe. On frappe de El Blanquito. Andrés Iniesta. Qui lui-même fait frappe de loin ça. Mais qui n'a pas marché. On l'autre frappe encore, après frappe Ivan Rakitic là, vraiment de peu. Là, Ter Stegen, il mettait avec Sergio Busquets. Busquets pour Gérard Piqué, bon contrôle. Gérard Piqué pour Ter Stegen. Ter Stegen qui gagne, ça l'a fait avec. Il mettait en direction de qui? En direction de Luis Suarez, bien joué. Andrés Iniesta, la passe pour Ivan Rakitic. Non, c'est pour Messi de préférence. Messi qui va accélérer. Messi toujours. Messi, la passe de Messi, là pour Messi. La mauvaise passe de l'Argentin. Mauvaise passe de Messi.
Mauvaise passe. Ballon qui a contrôlé. Yogayel. Yofel avec Nzonzi. La passe de Nzonzi pour Escudero. Séville qui combine dans sa moitié de terrain. Toujours à 0 but partout. On s'approche vers la 20e minute. La voilà, 19e minute de match football. Après 20 minutes, toujours pas de but. Les Catalans et les Sévillans. Vraiment, le jeu est équilibré. Match très équilibré. On ballon volé. La passe pour Messi. Bon contrôle qui fait Messi. On passe, mais passe trop courte. Messi a bien arrivé. Il conserve l'Argentin Metel pour Sergio Busquets qui remet l'île. Messi fait Redlan. Messi, la petite passe pour Andrés Iniesta. Et en jeu. En jeu de Jordi Alba. Vraiment, c'était largement en position avancée. On tacle de récupération qui fait. Vingtième minute. Monsieur Luis González cap. Mettez principe. On revoit ce tacle de Ever Banega. Non, c'était de préférence. Muriel qui t'est fait taxa. Salutations à toute l'équipe de la télé. Junior Saint-Germain qui vient à peine d'arriver. Vilma Bruni qui était là avec le matin. Wilmix, la tête de Paco Alcacer. Wilmix, présentateur de Area 14, Wilmix Cap innové avec émission 101. Oui, d'autres rubriques à venir dans les prochains jours. Et là, 20e minute, Barça Séville. Area 14. 21e minute, équipe Barça up. Toujours pour Fégol, équipe Séville. Ballon à contrôler. Yogayel passe la fête. La passe pour Ever Banega, mauvaise passe. Ballon pral au rendez touche pour l'équipe catalane. Luis Suarez, un ballon qui dégageait. Au rendez touche rapide. Barcelone, toujours 0 but partout. 11e journée, championnat d'Espagne de football. 29 points provisoirement, 20 points pour l'équipe pour Séville. La passe dans l'axe de la défense pour Andrés. Iniesta maintenant, tout à l'heure, c'était Sergio Busquets. Le beau contrôle de Luis Suarez, l'ouverture. S'il passait la bon, oui, ouverture du score. Paco Alcacer, et goal. Non, il y a un jeu. Goal. Et c'est l'ouverture du score. Est-ce qu'il y a un jeu, puisque passe semble fait en retrait. Oui. Son passe en retrait qui fait. Barcelone, l'ouvrir score avec Paco Alcacer. Qui l'ouvre score. Paco Alcacer qui l'ouvre score. Vraiment, son passe alors. Non seulement le bâton jeu, mais joue le ballon. Et puis, monsieur avec beaucoup de sang-froid. Lui mettez ballon en un goal. Oui. Voilà. Et vraiment, Escudero qui fait erreur monumentale ça. Et Paco Alcacer à la 23e minute qui ouvre le score. Ouverture du score pour les Catalans avec Paco Alcacer. Paco Alcacer, vraiment, oui. Nous comprenons le geste là. Madame, monsieur enceinte, la Bretagne, Timoun. Li dédié Golsa à Petit Lyon qui lui-même retrouve le nom de ballon. A pas contrôlé avec Escudero, fautif tout à l'heure. Sous goal que l'équipe Séville, qui est séant, Séville à l'attaque.
Il y a une possibilité à droite, passe en profondeur. Est-ce qu'il y a un jeu? Il y a un jeu. Oui, il y a un jeu. Il y a un jeu de Muriel. Muriel, très en vue dans ce début de match. Muriel qui apporte sa présence. Muriel cap jouer vraiment. Muriel cap bien Bortel. Attaque pour équipe Séville. Nelson Semedo. Nelson Semedo qui gagne ballon. Ballon à contrôler. Andrés Messi maintenant. Messi qui gagne. Sergio Busquets. La passe pour Messi. Messi. La passe. Andrés Iniesta. Quel contrôle de l'Espagnol Ivan Rakitic. Voilà le match entre le Barça et le FC Séville. 11e journée, championnat d'Espagne de football. 24e minute. Toujours un pour les Catalans. Équipe FC Barcelone. Bon passe de Sergio Busquets. Contré par la défense sévillane. FC Séville qui essaie de s'en sortir malgré le pressing des Catalans. La passe pour Nzonzi. Nzonzi, ballon contre avec Evir Banega. Les Sévillans avec Pizarro. Pizarro, Banega et Nzonzi qui jouent au milieu. Devant, il y a Sarabia, Muriel et Navas. Ne vous croyez Navas tellement. Ballon à contrôler. La passe. Séville. Cap mené en attaque. Yogéniel. Ballon 1. Toujours pour les Sévillans. Télékiskaya à l'heure de la 11e journée du championnat d'Espagne de football. Demain, nous avons avec ou plusieurs matchs. Mais là, c'est l'Espagne. Real Madrid. Demain, joue contre Las Palmas. Alors, nous connaissons que Real Madrid tout gagne plusieurs joueurs qui ont l'infirmerie. Mais surtout, les Madrilènes, ils ont connu défaite dans la semaine. Messi, la passe pour Sergio Busquets. Oui, deux joueurs, ça a communiqué bien pile. Ballon avec Luis Suarez. Sergio Busquets, c'est pour Messi. Et puis Messi pour Andrés Iniesta. Les Catalans qui font circuler le ballon. Mais vraiment, très bonne circulation de balle jusque-là. Oui, il se passe et se repasse la balle. Comme à Nahabit Studio, il aurait mieux fait ça en pile. Sergio Busquets, il a pas avancé. La passe pour Luis Suarez. Il met elle. Mais c'est pas petit dans le jouel. Luis Suarez, il n'y a pas de football même. C'est on finit sur que lié. Mettez-le devant quand vous le faites goal. Même si c'est dernier temps. Et même si vous mettez-le devant quand. L'irate en pile. On passe de la poitrine de Ivan Rakitic. Gérard Piqué maintenant. Li gagne elle. Li conserve elle. Li fait jouer là. Allez là. Le seul ballon en pile. Li prend. Li pas de pressing tout. Li oblige à faire Shelby avec. Li fait avec Samuel Umtiti. Samuel. Li retourne avec. Parce que pas de option devant. Dans l'axe pour Sergio Busquets. Le contrôle. Andrés Iniesta. Là maintenant Samuel Umtiti la passe pour qui il y a une belle déviation. Il est vraiment bien joué Andrés Iniesta. Quel contrôle. Quel contrôle d'Andrés Iniesta. Ballon à passer monsieur. La passe pour Jordi Alba. Quelle phase de jeu des Catalans. Jordi Alba gagne. Il prolonge pour Luis Suarez. Ça l'a fait avec Luis Suarez pour Messi. Et ballon qui dégage. Deuxième balle. Ça revient aux Catalans. Andrés Iniesta. Ivan Rakitic passé. Oui, il fait la velle. La passe. Et puis, deuxième goal. Deuxième goal, mais non. Voilà, occasion ratée par Paco Alcacer. Quel contrôle. Malheureusement pour lui. Et Gérard Piqué était dans les parages. Lui tape, essaye, prend ballon. Paco Alcacer qui passait tout près deuxième goal. Quatre gravats, Alcacer, monsieur. Lui tape, essaye, font goal. D'anthologie. Mais il rate ballon. Ça qui fait que l'équipe Barcelone, pour commettre à l'abri, on 2-0 qui était possible. Nelson Semedo, Semedo, Semedo gagne. Très bon joueur de football. Techniquement, il est à point, il est habile. Messi, la passe de Messi, bon, c'est Iniesta. Iniesta qui gagne. Iniesta, il conserve. Il fait avec Jordi Alba. Andrés Iniesta maintenant. Iniesta, Iniesta pour Messi. Le contrôle de l'Argentin. Messi, Livi retourne les zones en haut. La passe contre le Messi. Il gagne toujours. Mais là, il perd du ballon. Et puis, pour attaque, pour équipe Séville. Qui est-ce qui est devant? Manke Moun, Gombo Otto qui fait. Il va faire la Rounia. Bien joué pour équipe Séville. Égalisation peut-être. On frappe dans le poteau au centre. Est-ce que Gamé, Tachar toujours là? Et là, Tachar Gamé boxe ballon. Mais son joueur Séville qui a guidé arrivé. C'est Nzonzi. La passe pour Escudero. Le prolongement. Quel match très ouvert entre les deux équipes. Le centre. Ballon dégagé. Et le vient rejoindre encore. Escudero maintenant qui gagne. Ça l'a fait avec. Il fait passe là. On contrôle de Muriel. On passe. En la surface de réparation. Et Barcelone récupère. Jordi Alba. Habite là. Bye. Faute. Faute au départ d'Andrés Iniesta.
pas de gamer dans l'heure. Pas de gamer de Andrés Iniesta. Alors, en Allemagne, Bayern Munich, classé Dortmund, 3 goals à 1. Quel passe de Messi pour Sergio Busquets. Bayern qui crasé vraiment Dortmund, 3 goals à 1. 3 goals à 1 pour Bayern face à l'équipe Dortmund. C'est toujours 1-0 en faveur des Catalans, les Sévillans. Équipe FC Séville qui gagne le ballon. Yo app essaye de combiner avec Nzonzi. Non, c'est qu'il n'y a que Nzonzi qui ballon. Tout à l'heure, c'était Pizarro. Escudero maintenant. Nzonzi au contrôle du ballon. La passe dans l'axe. Et là, on attaque pour l'équipe Séville. Oui, yo continue à faire ballon en circuler. Mais il va quand même jouer un goal là. Goal égalisation. Wow. Barcelone avec Luis Suarez qui bat sur Bedul. Oui, le Bedul. Mais franchement, Luis Suarez, c'est un véritable problème. Tellement M. Bedul ballon avec facilité. Ça qui pas rangé offensivement l'équipe catalane. Dikembe Biel, mais c'est sous bluff que lié. Équipe Séville avec Ever Banega, l'Argentin, de retour en Espagne. Après quand même que M. Daljouna MLS là. Il était en Espagne déjà. Ballon avec Séville. Séville. Navas, la passe, le contrôle. Intervention de Samuel Umtiti. Umtiti à la couverture. Ballon qui dégage en touche. Le dégagement en touche de Samuel Umtiti. Qui a bataille sérieusement là. Umtiti qui a bataille sérieusement. La passe. Barça, le centre contré. On frappe pas qui possible. Séville qui insiste. La passe de Jesús Navas. De retour en Espagne également. Après quelques années passées en Angleterre. L'équipe FC Séville. Le bon centre là. On centre directement dans la niche de Ter Stegen. Ter Stegen calmement. Oui. Intervention correcte. Sans faute. Dans les pieds de Luis Suarez, Andrés Iniesta avec Gérard Piqué. 31e minute, toujours 1-0 en faveur des Catalans. Messi. Messi conserve la passe pour Sergio Busquets. Il a Gérard Piqué, Sergio Busquets, Barcelone. Oui, il compte le sous sa par cœur. Il a seulement présidé là. Avec maintenant Samuel Umtiti. La passe pour qui? Pour Gérard Piqué, le beau contrôle de l'Espagnol. Gérard Piqué qui avance. Gérard, il gagne toujours. Gérard Piqué, bon tac qui fait. Il évite. Gérard Piqué toujours. Il va le fond centre. On centre qui contrerait. On déviation peut-être. Mais qui va marcher. Gérard Piqué lui-même. Qui t'a fait remonter ça avec ballon. Hein. Mais action n'a pas fini malheureusement. Puisque centre a décontré. Équipe Séville dans la défense. Dans la défense, il faut rappeler qu'il y a Lenglet, Jair, Kokia et Escudero. Et puis, sous tête, il y a Nzonzi, qui lui-même fait tête triangle, qui gagne Pizarro avec Banega. Ballon avec, alors, on revoit la passe de Luis Suarez tout à l'heure. Il n'y avait pas de position avancée. Et puis, Paco Alcácer, lui-même, lui fait goal. Bien joué, Paco Alcácer, qui lui-même fait goal ça. Merci, papa. Merci vraiment, Escudero. Lui-même qui mettait l'équipe Mounion en courrier, capitaine de son état, mais lui bail goal, lui permet, lui cause alors que Séville encaisse goal. Nous avons joué 33e minute, c'est ma faute de Soria, lui-même qui encaisse goal ça, Barcelone, Nelson Semedo, qui est disponible, Gérard Piqué maintenant, la passe de Gérard Piqué pour Samuel Umtiti, Samuel Liguel. Samuel, il fait avec Sergio Busquets. Sergio Busquets pour Gérard Piqué. Gérard Piqué, il fait passe là pour Ivan Rakitic. Ivan Rakitic pour Andrés Iniesta. Andrés Iniesta met le bout de déviation. Bien joué pour Ivan. Ivan Iniesta, ballon là. Et puis, on l'a en mésentente entre Paco Alcácer et Ivan Rakitic. Andrés Iniesta, bien joué. Il y a un pour Messi.
passe de la tête de Messi. Sergio Busquets pour Messi. Messi. Est-ce que l'a passé? Non. Nzonzi. Noué Samouéen. Jean-Monsieur. Humilié. Sergio Busquets. Bien joué Nelson. Sergio pour Messi. Messi gagne. La passe. Mauvaise passe de Messi. Mauvaise passe Messi. Il a baissé le joueur avec Andrés Iniesta. Le contrôle de la poitrine de Nelson. C'est Medo. Nelson. Ah, c'est pas bon Nelson. Ah, c'est pas bon. Passe. Nelson Semedo, va bon. La 35e minute. Séville a essayé mais non attaque. Arbitre Landing est faute. Faute pour équipe Séville. Hein. Faute pour équipe Séville. Hein. Barcelone récupère le ballon avec Samuel Umtiti. Yoguenel. La passe pour qui? Si c'est Messi qui a un problème, mais c'était Luis Suarez. C'était Luis ou Paco Alcacer. Vraiment, Luis Suarez en difficulté. Trois goals seulement. Trois goals après 10 journées. C'est 11e Negabuela. Est-ce que la fait goal aujourd'hui? Hein? Nous connaissons Séville à l'attaque. On passe pour Jesús Navas. Mais un bon retour de Jordi Alba. Que dit l'arbitre? C'est un corner. C'est un corner. Corner pour les Sévillans. Pas de corner vraiment. Et c'est ça que juge assistant bail. Muriel dans la surface de réparation du mouvement. Et Verbané Gabotel. Ballon dégagé. Napoléon Boto en la tête. Samuel, petite passe pour Paco Alcacer qui n'a pas privé de jouer ballon ça. Passe n'est pas bon, mais ballon sorti. Monté touche que Jordi Alba, malgré que c'est latéral gauche que lié que le fait. Et puis Libral replacé le talent, Ter Stegen, Liffel avec Nelson Semedo, beau contrôle du portugais. Nelson Semedo en longue enjambée. Nelson qui brale les boucles. Nelson Semedo, Nelson dans Ligue 1 de joueurs qui a fait marquage là, mais il est arrivé sorti quand même. Ballon avec Messi maintenant. Messi Paco, c'est Ivan Messi. Messi mettait en retrait avec Sergio. Sergio pour Ivan. Ivan pour Nelson. Nelson Semedo. Semedo pour Ivan. Ivan Nelson. Nelson Semedo. Tu avais essayé vos contrôles, mais il faut souligner. Intervention fautive, musclée. De Sarabia. Nous faisons une intervention. L'étape dit que pas de faute. Pas de faute, vrai, là. Pas de faute, vrai, monsieur, c'est ballon, gueule de jouet. Coup franc exécuté rapidement. Passe le fait en retrait avec Gérard Piquet. Gérard Piquet pour Samuel Umtiti. La passe de Samuel pour Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, il gagne, passe en fait Iniesta, mais pas bon. On a regardé vraiment Ever Banega, Andrés Iniesta, Samuel Umtiti, Nzonzi, qui dégagne ballon en passe en fait pour Pizarro. La passe de Pizarro, ballon en contrôlé, équipe Séville. Il a prolongé ballon en. Ballon que Muriel perdu parce qu'en fait Yoguenel un ballon qui contrôlait oui le prolongement parce qu'en fait équipe Barça un ballon contrôlé avec Sam avec Nelson Semedo Samuel Umtiti oui Luis Suarez Andrés Iniesta. Bon, il va l'ouvrir. Sergio Busquets. Sergio pour Andrés Iniesta. Messi en haut de net. La passe. Mais quel tacle. Quel tacle réalisé par le joueur Séville. Pour écarter le danger. Alors, il y a montré nous. Paco Alcacer, déplacement, monsieur Souterrain.
capable aligner sous même plan avec reste joueur qui concerne pas attaque équipe Séville passe le fait là maintenant avec Escudero. Non, c'est la référence Pizarro. Ballon à peu contrôlé. Passe en retrait de capitaine Escudero pour l'Inglet. Là, c'est Jailleur qui gagne. Jailleur qui conserve le gagne. Passe en fait en direction de Corquia. Ballon à contrôlé en déviation qui réussit. Équipe RCC Villan. On passe dans deux défenses qui va bon. On passe non deux défenses qui va bon. Voilà la 40e minute, Joga Bomakel dans la pluie a tombé. Équipe FC Barcelone 1, Séville 0. On a regardé vraiment tentative ça de Escudero. Ballon bral balancé. Le bral balancé ballon pour équipe Séville. On couvre qui balance en dessous de réparation pour le FC Séville directement dans la niche de Ter Stegen. 40e. Messi qui a joué 600e match. 600 matchs pour Messi avec le Barça. Monsieur qui rejoint un cercle très fermé. Qui est là dans le capitaine. Alors, ancien capitaine, non. Javi Hernandez avec Andrés Iniesta. Ballon pour Ter Stegen dans la surface de l'opération de l'équipe catalane. Ter Stegen qui dégage loin devant. On dévie à ceux de Paco Alcacer qui va réussir. Et son touche. Nelson Semedo qui quitte le ballon, sorti en touche. Il quitte, sorti en touche. Encore rappeler que Messi c'est un véritable bête noire pour l'équipe ça. 29 goals en 30 matchs. 29 goals en 30 matchs, la passe. Ter Stegen à la couverture. Ter Stegen qui lui-même tape suivre. Situation compliquée pour les Sévillans. Ballon dégagé avec Nelson Semedo qui met de la hauteur pour Gérard Piquet de la tête pour Ter Stegen. Ter Stegen n'est pas capable de rouler le ballon puisque c'est bien. Il y a un faux pressing. Ballon contre avec Sergio Busquets de l'axe. Sergio Busquets c'est pour Messi. Il y a une faute sous lui. Un long balle de Messi. Est-ce que le bon? Oui, il arrive à destination. Non, ça c'est Luis Suarez. Il perd du ballon. Regardez, je vois monsieur. Mais vraiment, monsieur, c'est un véritable problème. Monsieur pas capable de négocier aucun ballon que Bali. Vraiment, c'est une situation compliquée pour Barça qui déjà va gagner un monde devant. Alors, sous dernier 14 matchs que Séville joue dans la Liga, il n'a fait aucune victoire. Il connaît 12 défaites et 2 nuls. Et il prend 38 goals. Parce qu'en fait, en retrait avec Nelson Semedo. Nelson Metel pour Gérard Piquet. Gérard Piquet. Alors, Ter Stegen Metel en bon contrôle de Ivan Rakitic. On la passe pour qui? En direction de Luis Suarez pour le Barça. Luis Suarez, il fait passer pour Messi, le contrôle de Messi. Mais encore une fois, Nzonzi fait bonne récupération dans le pied argentin. Il prend plusieurs ballons dans le pied déjà, dans le même genre. On passe, et puis ballon contrôle avec Paco Alcacer, il met de Messi, le contrôle de l'argentin. Messi, cap chercher un de tir là, le contrôle, Messi.
Merci, dit Conservel. Merci, qui a tourné en rond, l'Ifel, avec Ivan. Ivan, vous merci, de la surface. Merci, Ligayel, merci, il n'est pas capable de jouer un gros tir là, le Conservel, merci, il fait ouverture là pour Jordi Alba ou Messi, en dessous de la surface d'opération, la passe, le ballon qui dégage, Jordi Alba qui gagne, il y a vraiment, après, on écran de chargé là, on frappe, mais il n'est pas bon, Messi. Frappe ça, pas bon. Frappe là qui va marcher. Voilà, Paco Alcacer qui était glissé. Équipe Séville avec Nzonzi. Semblait que nous acheminer nous vers. Scorsa, vers mi-temps avec Scorsa. Toujours 1-0 à l'avantage de l'équipe catalane. Les Blaugrana qui s'imposent dans ce premier acte. Est-ce que non? Voilà, c'est la fin de la première période. 1-0 en faveur des Catalans. Très bon match, match parfaitement équilibré. Avec deux équipes qui ont livré une bataille acceptable. Et Jorge Sampaoli, qui a regardé là. Monsieur, c'est ancien entraîneur équipe Séville. D'ailleurs, li bay équipe ça en fond de jeu au point que Séville était tout carrément en référence en Espagne pendant la saison passée. Voilà, et des hommages bien mérités à l'endroit de Messi. Oui, rappelez comme d'habitude à l'heure que Messi nous déjà que c'est Javi Hernandez, Javi qui jouait 767 matchs. Andrés Iniesta 642, Messi lui-même lui a joué 600e match là avec l'équipe Barça, 425 victoires, 123 goals, 197 passes décisives. Passe en fait, et c'est Nelson Semedo qui défait Sergio Busquets au milieu avec Nelson Semedo. On appelle de balle qui fait, mais il préfère combiner avec Luis Suarez. Nelson Semedo en retrait. Ak Samuel Umtiti, ce sont très bons joueurs. Oui, où est touche de balle, où est vision, capacité pour que li défelle de marquage adversaire Lio, qu'elle passe Andrés Iniesta, le contrôle, Iniesta sur la ligne de touche, mais il manque force, en tout cas en Espagne, c'est un joueur très très respecté, oui, et joueur eux-mêmes, il y a un pile respect pour monsieur, quitte ses coéquipiers, quitte ses adversaires, lui passe là avec Ivan Rakitic, la passe pour Nelson Semedo, le Barça qui combine à retrait avec Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, Jeanne d'Abdilla, FC Séville, non en 4-3-3, oui, tandis que Barça lui même tout, non en 4-3-3, mais jusque là, c'est un match très équilibré avec mi-temps terrain équipe Séville, qui est à jouer au match là, au match très bon, on attaque avec Muriel, la frappe, la frappe de Muriel, Ouvelwell, on frappe qui passait, tête goal, mais c'est une bonne frappe, Sergio Busquets, en retrait avec Ter Stegen dans l'axe, pour Ivan Rakitic. Ivan, la passe en direction d'Andrés Iniesta. On appelle de balle. Messi, il mettait avec Ivan Rakitic. Luis Suarez au contrôle du ballon. Le Uruguayen pour Messi. La passe de Messi, pas bon Messi. Il n'est pas bon. Passe Messi hein, qui n'est pas bon. Messi qui a voulu combiner avec Luis Suarez. Alors, gagné en bon la pluie qui a tombé là. Il faut dire que Ter Stegen était bel et bien sur la trajectoire. Oui, Ter Stegen était sous trajectoire là. C'est certain que l'idée a joué ballon ça. Équipe
FC Barcelone récupéré ballon. Mauvaise passe. Ballon sauvé par Messi qui passe au tir. Séville. Mésentente entre deux joueurs sévillants. La passe du gauche d'Andrés Iniesta pour Messi. Ballon dégagé avec Escudero. Ballon dégagé par Escudero. Monaco toujours a mené 3 goals à 0 sous un avant Guingamp. C'est toujours le score. Ce score qui persiste dans la Ligue 1. Non, c'est 6-0 pour Monaco. 6-0 pour Monaco face à un avant Guingamp. Définitivement, Monaco qui reprend du poil de la bête malgré une saison en demi-teinte dans la Ligue des Champions. Oui, dans la Ligue des Champions, c'est une petite équipe monégasque. Attaque Evert Banega, bon contrôle, Limetel, un bon attaque pour l'équipe Séville. Jérôme Piqué en face de joueurs sévillants. Ballon pour tous les côtés gauche. Nantes a mené 2-1 sous Toulouse. Très bonne opération pour l'équipe nantaise. En Espagne, 1-0 pour Barça face à Séville. Au match qui a déroulé la Rounia. Nous dans deuxième période, là, 50e minute. Messi, bien joué. Liton Bell levé. Abitlan, on passe. Ballon en joué par défense. Là. Ariane Robben, Robert Lewandowski, Alaba. C'est trois Mounsao qui fait goal pour équipe munichoise en couverture bien assurée avec Gérard Piquet qui fait pour Ter Stegen qui mettait en direction de Jordi Alba, mais ballon volé, sauvé maintenant. Ballon pas arrivé à destination. Équipe FC Barcelone. Toujours 1-0. La passe au milieu, la longue balle de Díaz Iniesta en direction de Luis Suarez. Le contrôle de la tête. Luis Suarez dans la surface de réparation. Bakou de Koa. Luis Suarez. Liguel, Liguel, Luis Suarez. Oui. Là, la passe, elle est mauvaise. Bonne lecture. Mais regardons, je vois, monsieur. Son Luis Suarez problème vraiment si comme nous était dehors là, c'est lui-même. Équipe FC Barcelone dans Séville, l'ouverture bien joué. Équipe Séville n'est capable de faire goal tout s'il y a deux football lui-même. Équipe ça manquait finition. Sarabia manquait finition vraiment. On attaque avortée pour l'équipe catalane. Équipe Séville en tentative de passe. L'équipe a réussi. On tacle. Ballon sauvé. Est-ce que sorti? Non, le pas sorti. Luis Suarez à l'attaque. Il perd du ballon encore. Paco Alcacer. Pour qui? Le gain avec Ivan Rakitic. Ivan de la surface. Ivan Rakitic. Merci, papa. Oui. En tout cas, Ivan qui a tenté un bagage qui n'est pas dans la cité. Équipe FC Barcelone, c'est FC Séville qui gagne ballon avec Nzonzi. La passe, le contrôle. Séville en contrôle qui gagne en ouverture. Oui, son bonne ouverture pour Jesús Navas. Jesús Navas passe en fait à ce game. Non. C'est bien en jeu. C'est bien en jeu. Plusieurs joueurs sévillants à l'échauffement.
Séville, ils ont récupéré le ballon encore une fois. Barcelone semblait pas gagner même. Et fond de jeu que première période là. Séville a monté sur eux sérieusement. Vraiment. On attaque pour l'équipe Séville. Beau contrôle, mais bonne lecture de Samuel Umtiti. Bien joué. Samuel, il fait passe la bonne Andrés Iniesta. Le contrôle de l'Espagnol. Andrés Iniesta. 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 Ballon perdu. Il manquait le jus pour que le fait. Salde qu'on a habitué à faire. La passe de Nzonzi. Passe en retrait. Voilà, une équipe catalane. On attaque pour Séville, on frappe de loin. Alors, équipe ça. Et il manque un petit cal confiance dans sa vie à faire. Parce que Barcelone pas totalement bien organisé défensivement. Alors, mettez un Barça par rapport à Séville là, eh bien. Barcelone pas densifié le milieu de terrain lancé pour que le tas pas de problème à l'équipe ça. En intervention, il n'y a pas de faute. Ça, intervention régulière au départ de Lionel Messi. En pile, il a tombé tout. Ballon qui dégageait un peu de lucidité, de sang-froid des joueurs sévillants. Et la différence peut être faite. Oui, les sévillants peuvent faire la différence s'ils sont beaucoup plus vraiment beaucoup plus judicieux, si on bien plus lucidité, s'ils sont beaucoup plus lucides devant le but, ils peuvent non seulement revenir au score mais prendre la différence. La passe, le prolongement pour l'équipe sévillane. Pas une possibilité de centre puisque Marion ne suit pas cela. Séville a combiné et vers Banega. Et vers Banega, oui, Muriel, déviation à Guibon. Alors, et là, Baguiel, Séville a insisté. Jesús Navas, Jesús Navas, Jesús Navas, le centre. Le contrôle de Ivan Rakitic. Ivan ou Jordi Alba. La part de Jordi Alba, Bundes Iniesta. Iniesta, oui, il fait le contrôle, là, il levait. Et il mettait en direction de qui? Le contrôle de la tête de Paco Alcácer. Bien joué Alcácer. Alcácer, la passe pour Luis Suarez. Barcelone pour le 2-0. Messi maintenant. Messi, le contrôle de Messi. Messi met du ballon Mounio. Et vraiment, Paco Alcácer saute bien joué tout à l'heure. On contrôle de la tête qui mettait devant goal. Et il était combiné avec Luis Suarez. Je grève les mêmes la titulaire de l'équipe sur Luis Suarez. Équipe Séville avec Nzonzi. Il mettait pour Corquia, Corquia pour Nzonzi, au milieu pour Pizarro. Pizarro, très bon joueur de football. L'ouverture en direction de Sarabia. Sarabia, côté gauche. Sarabia avec Muriel. Muriel, Sarabia. La passe de Sarabia pour qui? Pour Navas. Il a pas combiné. Équipe Séville, il a cherché ouverture, là. Il a cherché espace, là. Plus capable de jouer une égalisation, hein. Mais on va venir Corquia, la passe de Corquia pour Navas, 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 lui, alors Navas c'est un joueur de débordement, automatiquement que ou pas mal dehors, hein, ou bloquer l'illimité net, la passe, le contrôle de Jesús Navas, Jesús, Jesús, Nifel pour Pizarro, ballon perdu, récupéré avec Sergio Busquets, bien joué, oui, la passe, l'arbitre l'a joué le principe de l'avantage avec Andrés Iniesta, pas de possibilité de contre, puisque l'équipe sévillane. Yogita retourné et bien placé. L'ouverture, Nelson Semedo. Semedo, il fait pour Messi. Le contrôle de l'Argentin. On passe de Messi. Quelle ouverture pour Jordi Alba. Le contrôle, Jordi Alba pour le centre. Centre contré de Jordi Alba. Il conserve Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba dans la surface de l'opération. La frappe de Jordi contré. Mais ça n'a pas été capable de faire rien.
Équipe Séville reprend le ballon en dribble réalisé par Ever Banega Nzonzi en direction déviation de Jesus Navas. Quelle contre-attaque pour l'équipe de Séville. Ça peut faire mal aux Catalans. Et ce matin, au la passe, égalisation, la frappe. Elle est bien mal jouée, monsieur. Ah donc, c'est monsieur Sarabia. Bon retour de Nelson Semedo qui sauve le Barça de l'égalisation. Nelson Semedo qui fait bon retour là. Le corner, la tête et goal de Pizarro. L'égalisation pour l'équipe sévillane. En reprise de tête imparable. Voilà une deuxième période récompensée. Monsieur Tou mette Iniesta 2, papa. Pourquoi ils ont mis Iniesta là? C'est pas bon André Nazario. Iniesta fait tourner. Et puis, Paulinho a joué bien. Ou retiré Paulinho dans 11 ans. Ou mette Andrés Iniesta, Tigran Moun. Qui pas dans le marquage, contrôle les barons. Voilà. Ça, c'est la reprise de tête imparable. Il n'est pas capable de faire rien pour lui. L'entrée en jeu de Paulinho, Paulinho. La 60e minute, la sortie d'Andrés Iniesta à l'heure de jeu. Et là, voilà, et c'est 1-1 entre les deux équipes. Nelson Semedo sur la ligne de touche, le centre de Nelson. Paco Alcacer en lutte. Ballon va sortir, dégager le sortie. Est-ce que le sortie? Non, habité de la sortie. Le contrôle et la passe de Samuel Umtiti par Paulinho pour son premier ballon. Le Brésilien, la passe, et puis le contrôle de Paco Alcacer. Messi au contrôle du ballon. La passe de Messi, l'ouverture, mais quel tacle réalisé par le joueur Séville. Séville, Bavin Van Paul là lui-même. Gérard Piqué pour Nelson Semedo, le prolongement pour Ivan Rakitic. Voilà, 1-1 entre les deux équipes. Une bonne entame de deuxième période, récompensée pour les Sévillans. Oui, yo, levé niveau jouet, yo. Alors, ça que t'es fait au défaut de la période là, à savoir, on manque de réalisme. Quoi le salmo va te faire? Gérard Piqué. Monsieur Pizarro a devancé la sortie de Gérard Piqué. Il joue une égalisation. Oui, Gérard. La sortie de Sarabia. Il est remplacé par qui? Il est remplacé par Nolito. Il est remplacé par Nolito. L'équipe a gagné Wissam Ben Yedder, Gegan Soto, on attaque avec Gérard Piqué, la frappe! La barre transversale pour Gérard Piqué, Bernabeu. Alors, Sergio Ramos qui aimait chambrer monsieur en pile. Sergio Ramos toujours rappelé monsieur que finalement, bon, de Signatou, c'est Bernabeu. Bernabeu, c'est stade Real Madrid. De toute façon, vous dites, monsieur, c'est le Real où vous jouez. Le dégagement du portier Soria de l'équipe sévillane. Les Sévillans qui récupèrent le ballon et qui combinent leur moitié de terrain. La longue balle déjà. Et en jeu. En jeu de Jesús Navas.
hors-jeu de Jesús Navas. On a des touches que l'équipe catalane n'a pas effectué. Équipe Séville dans le référence. Touche pour le FC Séville. 11e journée, championnat d'Espagne de football. Barcelone, 28 points, 29 points provisoirement. En accélération de Paulinho. Il y a faute là, but là, maintenant, pas une faute. Intervention correcte selon l'arbitre central. Quel tacle réalisé par Ivan Rakitic. Gérard Bic avait été devant, Bourkin, bah bon Gérard. La remise pour Nzonzi. La passe de Nzonzi, le contrôle de Nolito, la passe. Et là, c'est Kounia Nolito qui est dans le CD. Muriel, Nolito, Gérolem. La passe contre Nolito. Oui, Nolito capable. Vin mette Barcelone dans le courrier là. Nelson Semedo bien joué. Ivan Rakitic, Ligue 1 ballon. Hein. Ivan capable avancer. Ivan quitte pour Messi avec Paulinho. Paulinho Messi. Messi le contrôle. Le dribble réalisé par l'Argentin. Et puis, est-ce qu'il y a faute? Non, pas de faute. Équipe Séville là. Son match là. Garçon pas grimpé. Il y a faute pour Abit là. Non, Abit n'est pas une faute. Étonnamment, Samuel Umtiti. Il fait passe là pour qui? Pour Messi. Le contrôle de l'Argentin. La passe en direction de Ivan Rakitic. Ivan pour le centre. Ego. Non. Ego. Goal, 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 goal de Paco Alcácer. Paco Alcácer, une nouvelle fois, chers téléspectateurs. Alors, et pas étonnant après ce match que plusieurs interrogations surgissent. Oui, voilà, les journalistes. Après, je vais commencer à me demander, mais ça là. Monsieur devancé, et puis. Et voilà, dit monsieur, salut, ça peut dévouer là, mais ni papa. Mais cette là, monsieur devancé, et puis. Paco Alcácer fait goal. Deuxième goal pour Paco Alcácer après un bon centre de Ivan Rakitic. Voilà, bien joué Paco. Paco Alcácer, quel travail on entraîne, monsieur? Quel travail on entraîne? On lui soit resté pas pour un en au match. Alors, monsieur Pavle, craser mentalement lui soit resté parce que il y a quelque chose dans la tête. Li. C'est, ça veut dire que, comme Paco Alcácer là, c'est un bonhomme mulier, n'importe qui s'est libre de retirer. Mais il est dans le coup, contrairement à Luis Suarez, qui n'est pas dans la bataille du tout. C'est l'équipe de sortie, mais je et ça m'a dit là, puis il faut passer, entraîneur là, Pavle, et craser moral, joueur là, puisque quand même, Luis Suarez, c'est ça que l'IA est un attaquant de race, un attaquant de classe, ou pas capable de traiter. N'importe qui Jean, en tout cas Paco Alcácer, il a rempli son devoir. Un doublé pour cet attaquant, laissé quand même sur le banc des remplaçants depuis un certain temps. La passe Gérard Piquet au dégagement, le contrôle Escudero, bon contrôle de Escudero. Là c'est Nzonzi, Escudero, Nzonzi. La passe, c'était de référence à Pizarro. On l'a, on revoit tout à l'heure ce tacle. Alors, il a montré nous vraiment, on, comme équipe, c'est Barcelone, nous sommes à déplacer le ballon, mais tout, je sais, vie, a fait pressing. Non. Voilà, les Catalans, Samuel Umtiti, bien joué. Et puis, Barcelone, Samuel. Samuel Umtiti qui a pris un pile galon d'équipe, ça, il gagne le ballon, il fait long ball, est-ce qu'il y a un jeu? Ballon dégagé, le contrôle de la poitrine de Samuel. Dimetel, ballon 1 pour équipe Séville. Là. Et je vous en passe, presque Bédul. Liguel toujours. Ballon récupéré avec Gérard Deleferrou. En retrait, Samuel Umtiti. Dans l'axe pour Messi. Petite passe. Messi pour Ivan. Tandis qu'il fait fête, mais il boit. Messi, Liguel, il conserve. Il va aller lâcher le même.
Miguel Doujou, Messi, 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 la passe pour Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba pour Messi, de la surface de réparation, Messi, Messi, l'ouverture, et puis la frappe. Quelle action vraiment! Alors, ballon en te contre dans main, qui s'habite la main, c'est corner que le bail. Il était capable de faire penalty à la vérité, nous allons voir. Puisque c'est main qui empêche le ballon en vraie direction. Mais c'est pas le ballon là tout. Oui. Ça, c'est penalty. Alors, oui, effectivement, c'est la balle vers la main. Mais main empêche le ballon en vraie direction de la prendre. Alors, ça n'a pas dit. Et c'est certain que capable de monter dans le costal comme ça. Le corner balancé. Et Samuel Umtiti. Ballon. Danger pour les cadres avec Nolito. Ballon allé en touche. Touche pour FC Séville. Touche pour FC Séville. Touche pour FC Séville. Barcelone avec un entrée de touche. Corquia met-il loin devant. Ballon pour équipe Barça. Les contrôler. Ils mettent en retrait. Samuel Umtiti, tête. Intervention de Pizzaro, mais finalement, ce sont les cadres avec Gérard Piqué. Gérard Piqué, la passe pour Luis Suarez, déviation, pas bon. Luis Suarez, Ligue de Routier dans le match. L'équipe Séville, bien joué. Séville, Jesús Navas, Corquia, pour intervention de Samuel Umtiti. La passe pour Messi. Messi qui gagne, Messi conserve. Messi, il fait passe pour Jordi Alba. Jordi Alba, non, c'est Gérard de Le Ferrou gagne, de Le Ferrou conserve. Il fait passe là pour Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba pour Gérard de Le Ferrou, de Le Ferrou. Il fait le bonjour Jordi Alba, Jordi Alba en hauteur pour Samuel Umtiti. Samuel qui est disponible, Samuel Umtiti, il gagne elle, Samuel Favel, Samuel, la passe, bien joué, le contrôle, Sergio Busquets, est-ce qu'il faut tuer une faute? Faute au départ de Sergio Busquets, 70e minute, 2 pour le Barça, doublé de Paco Alcácer. Il passe sous terrain encore et puis en goal de Pizarro pour l'équipe Sévillan. Il a quitté Koufran pour le maître à jouer, le dépositaire du jeu catalan, Lionel Andrés Messi. Messi, Isabel Favel, Messi qui mettait la surface là. Ballon boxé par Soria. Et là, on tentative de dribble qui va réussir. Alternative de Nolito et regarde mon changement dans quelle équipe. Séville. Oui. Séville a metté tout le monde dans la bataille net. En déviation, mais Paulinho récupère le ballon avec Nelson Medo. Gérard de Le Ferrou. De Le Ferrou. La passe pour Messi. Messi, Messi. Mais Gonta qui fait cette fois-ci qui bon. Ballon allé en touche. La bonté de Messi, vraiment, c'est comme Nazou, c'est lui-même qui décidait. Le lap accéléré, le lap temporisé. Jean Sotfeld à l'heure. Alors, Gérard Piqué, la passe de Guéhen. Sergio Busquets. Sergio pour Messi. Messi, la passe de l'autre de la défense. Messi, Messi, la frappe. Ballon détourné par Soria. Soria qui détourne le ballon, Yofel avec Messi, le couteau de l'argent dans la surface de l'opération. Liguel à l'entrée, Messi, petite passe pour Sergio Busquets. Messi qui gagne la passe pour Nelson Semedo. Semedo en retrait pour Gérard Piqué. Gérard Piqué conserve. Liguel, Gérard Piqué a pas avancé. Claudial très offensif, ultra offensif même. Nelson Semedo, très bon match pour le Portugais. Ballon, passe en fait pour Sergio Busquets. Sergio avec qui? On remise de Messi qui va marcher. C'est Nzonzi. KBC est sorti. On intervention. Et puis, là, est-ce qu'il y a un jeu de ballon pour aller en touche? Ballon pour aller en touche. Monsieur, monsieur, fait appel de balle là, monsieur. Monsieur, indiquez Ivan Rakitic, côté pour le balle là.
oui, ou pas qu'il n'y a pas de bon attaquant. Peu importe que il pas à point techniquement, mais ou pas qu'il n'y a pas de bon l'autre qui est titulaire tout le temps. Après 11 journées qui gagne 3 goals dans la Liga, ou pas jamais essayer l'autre là. Muriel semblait à quitter Blasley. Il levait, couvrant un bras l'exécuté. Nabouela, 74e minute. Parce qu'en fait, équipe Barça, Samuel Umtiti, la passe de Metel avec. On passe en direction de Gérard Deleferrou, Luis Suarez. Ballon avec Paulinho pour Messi. Messi, il gagne en dessous parce que Messi. Messi, il gagne en jeu. Oui. Messi, t'es. Gontipier en plus. Pour monter non goal Pizarro hein. minute, nous sommes à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, toujours 2 pour les Catalans, 1 pour les Sévillans. Ballon avec Marc André Ter Stegen, le dégagement de Ter Stegen au milieu, maintenant le contrôle de la poitrine de Paulinho, la passe pour Luis Suarez. Paulinho, bien joué par Paulinho en direction de Luis Suarez. Luis Suarez qui gagne. Luis Suarez, il fait passe pas bon Luis Suarez. Et Valverde, c'est monsieur Bouti dans la machine. Il n'est pas dans le coup. Et ceci, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs matchs que Luis Suarez est l'ombre de lui-même. La passe de Gérard Piqué, Paulinho, Messi, Paulinho, malheureusement pour Paulinho. Dernier passe là, pas marché. Voilà, avec Gérard Deleferrou, Gérard Deleferrou, ballon qui dégageait. Barcelone, avec qui Nelson Semedo, bonjour, qui était au sol. Torquia. Qui reste au sol, t'as une faute gamin, sous Corquia. Est-ce que Séville est prêt, capable, ou l'autre fois encore, mettez match là à égalité. En tout cas pour le moment, c'est pas ça qu'a fait là, puisque Barça mène de goal à 1, Séville avec Nolito. Parce que il faut dire que Plusieurs changements ont été effectués. Plusieurs changements effectués par les équipes. Paulinho en longue enjambée. La passe pour Luis Suarez. Ça, pas la bataille du tout lui-même. Alors Luis Suarez passe en fait. Ce ballon à Poudrolé. Le Gaël. Nzonzi pour le Barça, Limetel en direction de Escudero. Est-ce une bonne frappe, la passe pour Nolito. Faut que double marquage sur Nolito, la passe n'est pas bon Nolito. On n'est pas bon. Passe de Nolito. En corner, qui va bailler un yé. Corner ça, Baba rien. On attaque pour équipe Barça. Messi, il conserve elle. Messi, il accélère Kounia. La passe de Messi, il n'y a pas de hors-jeu pour Luis Suarez. Luis Suarez, le contrôle de l'Uruguayen. Luis Suarez. Voilà. Luis Suarez en difficulté.
monsieur a un problème, Moussignac. Monsieur a un problème. Oui, il joue mal. On a parlé de Luis Suarez. Vraiment, monsieur a joué très très mal. Équipe Séville passe en fait dans le cœur défense là. On attaque pour Séville. On ouverture pour faire, mon cher. On passe pour Nolito et Verbanega. Même si on fait pas avec ballon. On long balle, Paulinho, le contrôle. Un ballon récupéré, Ivan Rakitić, Barcelone, au marquage. Est-ce que ballon sorti? Non, pas sorti. Séville recommence à jouer là. La 78e minute. Nous sommes encore et vraiment à quelques bonnes minutes de la fin du temps réglementaire. Et alors, je précise pour dire que le Barça n'est pas encore à l'abri. Oui. Barcelone, pourquoi à l'abri vraiment? Toute bagaille va passer. J'en profite pour saluer Moussignac. Gérard Piqué dans la défense. La passe dans l'axe pour Paulinho, le Brésilien. Le contrôle de Paulinho qui remet à Gérard Piqué. Ivan Rakitić. Ivan, qui s'est passé exactement? Il y a un joueur sévillan qui reste au sol. Oui. Il y a un joueur sévillan qui reste au sol. Voilà, Escudero qui levait Gampé. Sebral. Sebral. En déviation pour l'équipe Barça. On attaque. Et Ivan Rakitić, la surface de l'opération. Penalty peut-être, mais non. Il n'y a rien. Selon l'arbitre central, Ivan Rakitić qui reste au sol pour le Barça. Le jeu se poursuit, bien évidemment. Et ce sont les Sévillans qui sont à l'attaque. Ouais. Est-ce que c'est une faute ou pas? Oui. Mani, monsieur Allé. Non. Cher. Bon, par Benazi. Alors, arbitre là très généreux, très fair play ici là-bas, ça comme penalty. Effectivement, tu gagne un petit gambé mais pas de penalty. Pas de penalty. Oui. Voilà, on revoit ce centre qui a conduit à la... qui a conduit au deuxième but de l'équipe catalane. Oui. Voilà. 82e minute, debout Barça, 11e journée, championnat d'Espagne de football. Équipe là avec Nzonzi, la passe, ballon en contrôle. Il va le faire en long balle en direction de Nolito. Nolito, beau contrôle, Nolito. Nolito, Nolito. Il tombe en jeu. Vous supposez que c'est en jeu avec le bail.
On s'approche. On s'achemine petit à petit. Oui, il y a une faute sur vraiment Nolito. Faute de Nolito. Prends un dégagement avec. Avec Gérard Piqué pour l'équipe catalane. Ballon dégagé loin devant par El Shakiro. Au dire de Stéphane, notre collaborateur. El Shakiro, lui-même qui souhaite faire dégagement ça. La balle est récupérée par les Sevilla dans la défense avec Lenglet. Et d'ailleurs, ballon pour Pizarro. La passe de Pizarro pour qui? Pour Jesús Navas. Il est encore sur le terrain. Ballon passe en fait. Et je l'ai sorti. Non, le bas sorti. Nzonzi, la passe de Nzonzi. Et soudain pour Nolito au milieu avec Ever Banega. La transversale. Et Kaylor, Jesús Navas. Remise en jeu pour le Barça. Remise en jeu pour le Barça. Oui. Équipe FC Barcelone, toujours 2-1. On retouche pour Séville. 5 minutes avant la fin du terme. Intervention catalane, Samuel Umtiti. L'Ifel avec Nelson Semedo. Ter Stegen qui dégage sans prendre de risque. Cela se comprend puisque le terrain est glissé. Il y a beaucoup de pluie. La passe pour Gérard Deleferrou. Gérard joue sans ballon. Est-ce que c'est Messi? Non, c'est Ivan Rakitic. Ivan, la passe de Ivan. Contré. Ivan Rakitic, talonnade pour Messi. Messi, Messi. Ivan, le danger est encore là. Le centre. Ballon. Danger à Luis Suarez au Metel. Mais pas pour Luis Suarez. Et puis équipe Séville avec Nzonzi. APC est sorti. En dégagement de Korkia. Ça la baille. Oui. Équipe Séville, on attaque la passe de Escudero pour Pizarro. Pizarro qui conserve le cuir. Il joue maintenant avec son compère du milieu, Nzonzi, qui lui ouvre en direction de Korkia, le centre. Ballon dégagé par Gérard Piqué, le contrôle de la cuisse et la passe en direction de qui? Est-ce qu'il y a une faute sous Messi? Oui. Faute de Lenglet. On dépend de Messi. Faute de Benoît Messi et c'est un coup franc pour le Barça. Oui. Gérard Deleferrou, Luis Suarez. Déviation ratée. On attaque Samuel Umtiti. Une faute. Équipe Barça, on passe au milieu pour Sergio Busquets. Bien joué Sergio. Ivan Rakitic maintenant. Nelson Semedo. Nelson au contrôle. La passe de Nelson Semedo pour
Samuel Umtiti, le contrôle du Français. La passe pour Paulinho. Paulinho, passe contrée. Il devait jouer avec Messi. Malheureusement pour lui, sa passe a été contrée, bien lue. L'équipe sévillane, Nolito. Oui, un ballon dégagé avec Nelson Semedo. Le contrôle de Pizarro. Pizarro, ballon perdu. C'est une touche pour les Catalans. Dernier changement. Dernier changement. Dans le camp catalan. La sortie de Rakitić. Il va être remplacé par Mascherano. Messi, vraisemblablement, qui ne manquera pas contre Séville. Messi, qui est une véritable bête noire pour cette équipe. La sortie de Rakitić. Quelques secondes avant la fin du temps réglementaire. Mascherano qui vient pour solidifier, pour donner du lien à son équipe. Équipe Barça toujours à Bénin, un goal, 2-1. 2-1 en faveur des Catalans. Gérard de Leferrou. Gérard, bien joué. Oui. Gérard de Leferrou. Gérard. De Leferrou. Équipe Sévillan a conduit en attaque. 4 minutes. 4 minutes. Avec équipe Sévillan, la passe. Séville qui combine. Pizarro avec Escudero. Mais le Barça occupe parfaitement le terrain. Le Barça qui défend. Ballon avec Gérard de Leferrou. Gérard de Leferrou, Ligue 1. Il fait avec Sergio Busquets. Busquets. Mauvaise passe de Sergio Busquets. Oui, on revoit ce contrôle parfait. Réalisé par Sergio Busquets. Nolito sur le flanc gauche pour l'équipe sévillane. Séville au milieu avec Pizarro et Verbalega maintenant. La passe. Passe en fait pour l'équipe sévillane. Ben Yedder, monsieur qui rentrait déjà, mais hors jeu. Hors jeu. En jeu, oui. En jeu. Donc il y a en jeu signalé par l'arbitre central. Donc il y a est signalé hors jeu à gauche de la surface de l'équipe barcelonaise. Ballon dégagé avec Ter Stegen, intervention de Nzonzi, la tête de Paulinho, le Barça à la récupération, Samuel Umtiti, la touche SVN. Nous jouerons la troisième minute dans les arrêts de jeu. Nous sommes à quelques secondes
Une poignée de secondes. Ballon récupéré avec Messi. La passe de Messi pour qui? Pour Paulinho. Il y a une faute. L'arbitre dit non, il y a une faute. L'arbitre dit non, il y a une faute. Séville a mené en dernière attaque. En bon retour. Arbitre Lambay, carton jaune à Messi. Carton jaune, monsieur. Non, alors c'est peut-être pourquoi l'air l'engolfait. Hein. À bruit d'invention, hein. Nzonzi. La passe, le contrôle, le corps qui a le prolongement. Samuel Umtiti à la couverture. Là-dessus est appelé encore. Ou André touche rapide, balle que la fait collègue, qui s'est lui-même, besoin d'égalisation. Séville, il va le mettre dans le paquet, hein, oui, ballon dégagé de la tête, et puis Barça avec Messi. Messi fait passe là, l'issoit-il pour Gérard de Leferrou. Gérard de Leferrou, Gérard, c'est papa. Quelques secondes, et voilà, c'est la fin de la rencontre. Victoire du FC Barcelone. Le Barça qui poursuit son sans faute. 11 journées, 10 victoires et un match nul pour les Catalans. Le Barça qui compte désormais 31 points. Le Barça qui a gagné 11 longueurs de retard provisoirement à l'équipe madrilène. Le Real joue demain à 3h45 face à Las Palmas. Alors, quelques actions dans le match lent. Et le temps pour moi de prendre congé de vous. Ça change pas. N'a pas rendez-vous demain pour plusieurs matchs dans le championnat anglais, également match Real Las Palmas. Là.